c'est Eliana, bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas encore. Aujourd'hui, c'est un unboxing de chez Vinted et de chez Frost Streetwear, car j'ai reçu aujourd'hui mes petits achats. J'avais déjà parlé de Vinted dans une précédente vidéo, Yearnay, où je disais que du bien. Donc là, il y a juste un souci, c'est qu'il y a un colis qui est perdu, donc la poste est en train de régler tout ça. Mais sinon, je n'ai jamais eu de soucis, tout s'est très bien passé, les transactions se font très bien, enfin, tout est bien réglé. Donc voilà. Donc, mes deux petits achats. Donc, on me les a envoyés dans des enveloppes. Après, il y en a qui les envoient dans des colis et tout ça. Moi, je sais que je prends les enveloppes cartonnées ou les paquets colis que je reçois de mes achats. J'enlève l'étiquette, je remets et puis voilà. Donc, première enveloppe de chez Vinted. J'avais déjà ouvert parce que je voulais les voir. Donc dans la première enveloppe, donc déjà on m'a mis des petits échantillons, donc un de Sisley et un de Dior. Je donnerai ça à quelqu'un qui les utilise. Mais c'est très gentil, c'est pas toutes les Vinty qui font ça. Donc je le mettrai sur sa petite évaluation. Parce qu'on a des évaluations. Et donc, dans la première boîte, ce sont des fossiles. Dans la première enveloppe, ce sont des fossiles de chez House of Lashes. Donc, les Bohemian Princess. Et les Featherette. Je ne sais pas comment ça se dit. Featherette. Donc, voilà! Mes petits fossiles, encore des nouveaux. Je suis trop contente. Ouais, et je sais pas si je l'ai déjà dit, vu que c'est le matin, je suis un peu embrumée, donc je suis pas préparée parce que je voulais tellement faire cette vidéo et partager ça avec vous que je me suis dit, allez, on s'en fout. De toute façon, ils me voient déjà démaquillée dans les autres vidéos, alors voilà, pourquoi pas me voir au réveil. Et donc, c'est chez la même vendeuse que j'ai eu mon petit colis, j'avais totalement zappé la colle à fossiles et en switchant sur mon appli, je me suis dit mais elle a la colle House of Lashes. Donc, ce qui est très gentil, c'est qu'elle m'a remis des petits échantillons. Donc le rouge de Givenchy, donc je n'utiliserai pas bien sûr, et Fontaine Lissant anti-âge de chez Sisley que je n'utiliserai pas. Mais qui font ma... Je sais pas en fait. Je sais même plus les donner. Enfin, ce n'est pas le sujet. Et donc, elle a pris un petit coup, la colle. Elle a pris un petit coup sur le papeau. Mais j'ai ma colle de chez House of Lashes. Donc la blanche. Parce que je n'avais presque plus de la duo. J'en vois beaucoup utiliser celle-ci. Donc je me suis dit... Voilà, je veux l'essayer, je veux savoir ce que ça fait. Le petit tube est trop mignon. Moi, perso, je suis fan. Donc, on va bien voir. Elle sent pas très fort, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, pour l'ouverture Vinted. Donc, les deux fossiles House of Lashes et ma petite colle. Frost Streetwear. Je sais ce qu'il y a dedans, je sais, je le sais, je le sais. Je crois que je vais avoir une collection monstre de... Le tout emballé. Et donc, en premier, ce que je vois, c'est la chemise. Alors, je vais vous la déplier. Donc, je l'ai pris en S, prise en S. Ça faisait un moment qu'elle me titillait, elle était en rupture de stock.
Donc voilà, je l'ai prise. Oh, c'est super agréable. Elle est super agréable. C'est épais, c'est tout doux. Donc le dos. Et le devant. Donc voilà, la chemise que je vais mettre aujourd'hui, bien sûr. J'avais pris le bonnet en gris. Et c'est de l'ancienne collection, c'est pas de la nouvelle, parce que de la nouvelle, il est déjà en rupture de stock. Le petit bonnet en gris. J'avais pas de gris. J'avais plein de choses gris, mais j'avais pas de bonnet gris, donc fallait que ça aille avec. Voilà. Je suis folle quand j'ouvre tout ça. Et donc un hoodie que j'ai pris en XL, parce que bah, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo All Frost Streetwear, j'adore être à l'aise dans mes vêtements. Donc je les prends, les sweats et les t-shirts généralement en L ou XL. Sachant que je fais un S ou un XS. Je suis vraiment bien à l'aise dedans. Et ça faisait longtemps que je voulais en plus un sweat comme ça. Donc là, c'est juste parfait. Parfait. Regardez. Non. Ça, avec un leggings. Et puis c'est bon, c'est parti. Roulez jeunesse. Oui, 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 oui. J'ai envie de le mettre tout de suite. J'ai envie de le mettre tout de suite. Bon, j'ai un jogging, ça sert à rien de le mettre tout de suite. Je le mettrai après. Donc, voilà mon hoodie de la nouvelle collection. Avec mon bonnet. Et ma magnifique chemise. Donc voilà, si vous avez aimé ce petit haul unboxing, et ben n'oubliez pas de me mettre un j'aime, vous abonner à ma page, et je vous dis à la prochaine.